Bonjour et bienvenue dans Maguelec. Ce mois-ci, nous nous trouvons à Crolles, tout près de Grenoble, devant le siège social de la société Petzl. Nous sommes entourés de montagnes, hein, ça vous l'avez constaté, et c'est un décor parfait pour évoquer la question du travail en hauteur. Et où en ce moment, les métiers de l'électricité, vous le savez, sont en pleine mutation, une mutation qui implique l'acquisition de nouveaux savoir-faire. Et avec le développement du photovoltaïque, on a pu observer que bien souvent, les installateurs amenés à travailler sur les toits ne maîtrisaient pas, enfin pas encore, les consignes de sécurité. Alors pourtant, cette question, elle est cruciale aujourd'hui. Pourquoi? On va y répondre dans ce mag, tout de suite notre sommaire. Au sommaire de ce numéro de Maguelec, nous suivrons Thierry Marquis au centre de formation Petzl de Crolles afin de découvrir comment les installateurs sont formés au travail en hauteur. Nous le retrouverons ensuite sur l'un de ses chantiers photovoltaïques. Nous verrons comment il met en pratique sur le terrain la théorie acquise. Alors juste derrière moi se trouve l'Institut Petzl, un centre de formation accueillant notamment les distributeurs spécialisés dans le matériel de sécurité pour le travail en hauteur. Thierry Marquis y a bénéficié d'une formation sur le travail sur plan incliné et nous l'avons suivi, c'est notre premier sujet. Nous nous sommes rendus au centre de formation Petzl de Crolles afin d'y retrouver Thierry Marquis. Comme lui, les installateurs spécialisés dans le domaine du photovoltaïque sont confrontés à un nouveau type de risque, celui lié au travail en hauteur. Vous, dans votre situation de travail, il faudra toujours être le plus possible sur le facteur zéro. Le risque, il est lié à deux choses. La première, c'est qu'il faut du rythme pour réaliser les chantiers dans des temps qui sont compatibles avec ce que sont prêts à payer les clients. Et d'autre part, il y a effectivement une accoutumance. On s'habitue à la hauteur, on s'habitue au fait que ça puisse glisser un peu. On se dit effectivement qu'il n'est pas forcément judicieux de s'attacher. On va perdre du temps ou on l'a déjà fait la veille et ça s'est bien passé. Et donc on néglige ces choses-là. Ouais. Thierry et son collaborateur Sébastien vont être formés tout au long de cette journée par Olivier, spécialiste du travail en hauteur chez Petzl. Le briefing achevé, ce dernier équipe nos deux installateurs avec un casque, un harnais et le dispositif anti-chute mobile sur corde, la ZAP. Alors la ZAP, son principe il est très simple, c'est un suiveur, il se fait oublier, il monte et il descend sur la corde et s'il y a une chute, il vient bloquer. Je ne connais pas d'appareil qui permet autant de liberté et c'est vraiment un appareil qui se fait vraiment oublier. Hein. Et c'est ça ce que cherche l'installateur de panneaux solaires. Après un rapide partner check permettant de s'assurer que leur équipement est bien en place, Thierry et Sébastien passent en salle de pratique. L'objet de la matinée est d'apprendre à progresser sur un toit avec leur équipement de sécurité. Donc là, par rapport à la longueur qu'il me faut, je vais prévoir relativement long. On commence avec le passage de la corde. On lance d'abord une balle de tennis reliée à une ficelle à laquelle est attachée la corde. Protégé par un cône de bouteille, le nœud évite ainsi d'être bloqué sur le toit. On peut ensuite assurer l'ancrage de la corde au sol. Alors, il existe plusieurs points d'ancrage. Vous pouvez avoir des arbres suffisamment gros, ça vous permettra un point d'ancrage sûr. Ou alors, si vous n'avez rien, vous pouvez utiliser votre voiture. Il faudra s'assurer que l'opérateur qui est sur le toit, il ait bien les clés de son véhicule accrochées sur le harnais. Après avoir sécurisé l'échelle, Thierry et Sébastien peuvent installer leur ASAP sur la corde et entamer leur progression sur le toit. La montée s'effectue alors en toute sécurité et sans contrainte, mais en prenant soin de ne jamais passer au-delà du faîtage. Ces notions acquises, Thierry et son équipier vont pouvoir passer à la seconde partie de cette journée de formation. Sur l'une des parois extérieures du bâtiment, ils vont apprendre à monter un panneau solaire simulé ici par une planche de bois. Le panneau solaire, qui est factice, vient à glisser sur l'échelle. Il est juste guidé par l'opérateur qui se trouve sur l'échelle. Et l'opérateur au-dessus utilise un système de mouflage qui va démultiplier la force. Et en haut, s'il lâche la corde,
il y a une poulie bloqueur qui vient bloquer la corde. Donc on n'a pas de risque de chute de panneau solaire. Ultime étape de cette journée, Thierry va simuler une chute depuis l'échelle afin d'être ramené au sol par son équipier grâce à son harnais. Dans le cas d'une chute réelle, la ZAP remplirait pleinement son rôle en stoppant la chute, tout en étant complétée dans son action par l'absorbeur d'énergie. Si vous chutez, cet absorbeur d'énergie, il va justement encaisser une partie du choc. Donc cette force d'impact, plutôt que ce soit vous qui l'encaissez, ce sera lui qui va encaisser. Pour Thierry, cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Il sait désormais que son équipement de sécurité est un allié précieux qui peut lui sauver la vie en cas de chute. Bien qu'équipé de matériel adapté pour la sécurité et au travail en hauteur, on n'a pas idée des risques encourus. On est toujours en train de les sous-estimer. Il est absolument indispensable de se former au travail en hauteur pour prendre conscience des risques qu'on engage ou qu'on fait prendre à nos collaborateurs. Je vais à présent me tourner vers mon invité, c'est un spécialiste du travail en hauteur. Vous êtes aujourd'hui chef de marché professionnel chez Petzl, Bruno Lambert, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Je vais me permettre de rappeler brièvement l'historique de votre société qui, dans les années 50, crée la désormais ultra célèbre Lombe Frontale. C'est ici qu'elle est née. Ensuite, votre entreprise, elle s'est spécialisée dans l'équipement sportif. Et ce qu'on sait un tout petit peu moins, c'est qu'aujourd'hui, les équipements de sécurité professionnelle représentent 50% de votre activité. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Tout à fait. Alors pourquoi une telle évolution? Pourquoi il est si important aujourd'hui de sécuriser le travail en hauteur? Alors c'est important de sécuriser le travail en hauteur puisque après les accidents de transport, c'est la deuxième cause d'accident au travail. Ce qu'on sait moins et ce qui représente quand même 100 000 accidents avec arrêt chaque année, dont 15 000 accidents graves avec des incapacités permanentes et environ 200 décès. Voilà, donc c'est effectivement un risque important. Donc il y a vraiment un très gros travail à faire. Vous en particulier chez Petzl, à quel moment vous vous êtes dit il faut qu'on s'intéresse aux professionnels du bâtiment, il faut qu'on les équipe, il faut qu'on se mette sur ce marché? Alors Petzl s'est intéressé à ce marché au moment de la création de la législation européenne sur ce thème. Et c'était dans les années 80, d'accord. En fait, on a proposé le premier harnais qui s'appelle le Navao. D'accord, donc vous avez déjà 30 ans d'expertise dans la création de matériel professionnel. Ouais. L'encadrement légal, il est né il y a 30 ans lui aussi. Aujourd'hui, on en est où? Si moi, je suis un chef d'entreprise, quelles sont mes obligations pour moi et pour mes employés, pour mes artisans? Alors, la première obligation du chef d'entreprise, ça va être de doter gratuitement et individuellement chaque opérateur qui va être exposé à ce risque avec des EPI, hein, des équipements de protection individuelle adaptés. D'accord. Et ensuite, de former ces personnes à l'utilisation de ce matériel dans les conditions réelles de leur travail, finalement. C'est ce qu'on a vu avec Thierry Marquis tout à l'heure. Il faut vraiment acquérir un savoir-faire spécifique pour un terrain spécifique, un chantier spécifique. Voilà, là, en l'occurrence, un installateur de panneaux photovoltaïques. Alors, les formations existent. Aujourd'hui, on dispose de matériel performant. Hein, d'ailleurs, on les trouve dans les distributeurs de matériel électrique. Les professionnels s'équipent de plus en plus eux-mêmes. Et pourtant, on observe sur le terrain des freins à l'utilisation de ces matériels, des freins au respect des consignes de sécurité. Alors pourquoi, sachant que c'est la deuxième cause d'accident au travail? Je pense que les réticences à l'usage de ce matériel, elle est due à un historique de matériel pas toujours adapté, pas toujours confortable. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque globalement, le matériel a beaucoup évolué. Et puis souvent aussi à une négligence de l'analyse des risques et de la façon dont on doit utiliser ce matériel. Donc on parlait de formation, ça passe aussi par identifier des modes opératoires qui soient réalistes, je dirais, par rapport à la profession et aux contraintes du métier. D'accord. J'espère qu'on aura fait ensemble évoluer quelque peu les mentalités et merci beaucoup d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions. Mais je vous remercie. Merci. Dans notre deuxième sujet, je vous propose de retrouver Thierry Marquis, cette fois sur un chantier en train d'installer des panneaux solaires. L'occasion de constater ce que la formation qu'il a reçue a changé dans ses pratiques professionnelles. Nous retrouvons Thierry et Sébastien quelques jours après leur formation chez Petzl sur un chantier photovoltaïque près de Lyon.
Bien qu'il s'agisse d'un pavillon traditionnel, la configuration du lieu est l'occasion de mettre en pratique la théorie acquise. Thierry et son équipier commencent par se préparer. Harnais, casque, ASAP et anti-chute font désormais partie de leur équipement. Pour nos installateurs, ce matériel a une double vocation. Assurer leur sécurité tout en leur rappelant les dangers potentiels du métier. Il faut utiliser ce matériel parce que quand on l'utilise, on se rend compte un petit peu plus du danger qu'on a tendance à très très vite oublier et on se rend compte aussi qu'à l'usage, il n'est pas aussi contraignant qu'on peut l'imaginer quand on travaille sans. L'opération de sécurisation consiste à passer une corde et à l'arrimer de l'autre côté de la maison afin d'assurer une ligne de vie en cas de chute. À l'aide d'une raquette de tennis, Sébastien envoie une balle raccordée à un fil au-dessus du toit. Il y raccorde ensuite la corde, qui peut ainsi passer facilement de l'autre côté grâce à un cône de bouteille en plastique. Il faut maintenant trouver un point d'ancrage. Et là, Thierry est confronté à un problème qui va lui demander un peu d'astuce. Il n'était pas possible de s'attacher sur un point fixe qui aurait pu être un arbre ou éventuellement un véhicule de l'autre côté de la maison. Il a donc été nécessaire de trouver une alternative qui était une fenêtre à laquelle on est venu installer des cales de bois et autour desquelles on est venu se fixer, comme on aurait pu éventuellement le faire sur la charpente. Il faut laisser suffisamment de corps derrière le rig pour pouvoir être redescendu en cas de chute. La corde arrimée est tendue, Thierry et Sébastien peuvent s'y attacher et monter sur le toit afin de commencer à installer les capteurs photovoltaïques, non sans avoir au préalable sécurisé l'échelle. Tous deux ont chacun leur ligne de vie qui leur permet d'évoluer librement en toute sécurité. Au final, la sécurisation de ce chantier aura pris seulement quelques minutes, tout en leur assurant la vie sauve en cas de chute. Pour la mise en place et l'installation d'un système, il faut compter environ une dizaine de minutes. Il est évident qu'il faut faire l'effort, et ça serait illusoire de croire que je suis en sécurité avec zéro système. Pour Thierry et Sébastien, cette journée est la preuve qu'un équipement fiable leur permet de concilier sécurité et liberté de mouvement. Dans le système de déplacement en hauteur siglé Petzl, il existe un élément spécifique, l'ASAP, qu'Olivier va nous présenter. Olivier, je vous laisse faire. Bonjour. Eh bien, l'ASAP, c'est ce système. C'est un anti-chute mobile sur corde. Il peut être mis sur des cordes de 10,5 à 13 mm. Mm-hmm. Et il permet de se protéger sur des pentes ou sur de la verticale. Pour la mise en place, c'est très simple. C'est-à-dire, je viens l'ouvrir, glisser la corde à l'intérieur. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il devient tout de suite invisible. Il monte et il descend. Et ça me permet d'avoir une fluidité de mouvement. Donc je suis relativement libre sur mon toit. Et ensuite, je viens connecter en direct, je viens emprisonner la corde. Il est très difficile de faire une erreur. Et si je viens à tomber, donc le réflexe, c'est je vais venir saisir tout ce qu'il y a autour, et il va bloquer. Donc ça donne ceci. Et là, je suis bloqué et je suis protégé. D'accord, merci pour vos explications, Olivier. Merci beaucoup. C'est le moment de se dire au revoir. Merci Bruno. Pour en savoir plus, notamment connaître les adresses des centres dispensant des formations, je vous donne rendez-vous sur le site de Petzl, petzl.fr. Pour revoir cette émission, vous le savez, c'est sur inexcel.tv que ça se passe. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau Maguelec. Au revoir.